Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité, c'est Fabrice Dalméda, historien, auteur. Ce matin, ça sort dans les librairies, sur le site de e-commerce évidemment, Histoire mondiale des riches. Vous avez fait la radiographie des 10 000 personnes les plus riches de la planète, sur un plan historique et sur un plan contemporain. Ils ont changé, les riches, hein, en un siècle. Et en lisant votre livre avec Laure, on se disait que d'ailleurs, il y a un peu deux grandes catégories de riches aujourd'hui. Les riches historiques de l'industrie, les grandes familles, et puis les nouveaux riches de la Silicon Valley. Et ils nous inquiètent, cela, parce qu'ils ont une vision du monde assez pessimiste. Ils veulent aller dans l'espace, dans les métaverses. Ils sont moins... Eux-mêmes ont l'air d'être plus pessimistes que les... C'est vrai qu'au fond, on était... la richesse a changé. Il y avait la richesse par la terre pendant très longtemps qui dominait, qui fait qu'au fond, c'était les grandes familles nobles et aristocratiques qui étaient les plus riches, les plus puissantes, à la fois politiquement et économiquement. Et après, au 19e, les grandes familles industrielles. Voilà, il y a la révolution industrielle. Ouais. Et c'est là que ça crée des aventures incroyables. C'est ça que j'ai voulu montrer, c'est comment ces gens-là inventent le monde. Ils font le libre-échange, ils font la circulation des biens, la circulation des matières. Ils créent d'énormes usines, d'énormes entreprises, des empires dans lesquels des centaines de milliers de travailleurs vont s'investir et vont être impliqués. Donc, ils ont une vision du monde, j'allais dire, qui est assez proche de celle du peuple, au fond, d'une certaine manière, dans le travail. En revanche, dans leur style de vie, ils essayent de rester proches de celui de l'aristocratie. Ils restent très fascinés par le luxe, par le fait d'avoir des serviteurs, par le fait d'avoir des beaux objets, des belles montres, la fameuse Rolex dont on parle souvent, des belles voitures, les Rolls-Royce, etc., etc. Mais ce sont des gens qui travaillent de façon énorme. Et qui croient au progrès aussi. Et qui croient au progrès. Et c'est là où vous avez raison qu'il y a un tournant, quelque part dans les années 70, et surtout dans le milieu de la technologie, du numérique, il y a le sentiment que au fond, la Terre est finie et que est-ce qu'elle peut encore porter des choses? Donc, beaucoup d'entre eux ont à la fois une attitude de producteur, ils travaillent beaucoup et en même temps, ils ont un peu peur, donc ils cherchent des refuges. Certains se construisent des bunkers, d'autres cherchent des endroits immaculés sur la Terre. Aller sur la Lune ou sur Mars. Voilà, ou des endroits immaculés où il n'y a pas de pollution, où ils vont pouvoir avoir le bon air, ou d'autres vont fantasmer effectivement l'évasion vers l'espace. Dans les métaverses. Ils deviennent flippés en fait, hein, parce que la question c'est de savoir si on peut leur faire confiance pour avoir une politique industrielle visionnaire et investir dans l'hydrogène, dans la voiture électrique, dans demain, comme les Rockefeller, en fait, de réfléchir un tout petit peu plus loin et pas juste à penser à se protéger. Et cette question de la confiance, elle est fondamentale pour accepter la richesse de l'autre. Effectivement, elle est fondamentale. Alors, il y a quand même aujourd'hui un tournant, c'est que les États accompagnent beaucoup les investissements individuels. Voilà, la grosse différence par rapport à aujourd'hui, par rapport au 19e siècle, c'est qu'au 19e siècle, les États sont peu présents. Donc, on peut construire un empire tout seul. Dans les années 70, encore, on peut construire l'empire du numérique presque individuellement. Et là, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les gros investissements, les États reviennent de manière assez importante. Elon Musk travaille avec la NASA. Il est aussi encadré, orienté par la NASA. De la même manière, aujourd'hui, les programmes spatiaux, les programmes numériques européens sont très largement entourés et avec une présence des États. Donc, c'est ça qui peut éventuellement nous rassurer. Il y a quelque chose qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous le dénoncez un peu d'ailleurs, l'entre-soi des riches, parce que c'est vrai que vous parliez du 19e siècle, il y avait effectivement un statut social, mais il y avait une forte imbrication quand même des classes travailleurs, populaires et des plus riches. On vivait quand même dans le même monde. Là, vous dites, ils vivent dans des mondes parallèles, ils se côtoient, ils ont effectivement des endroits réservés sur la planète, ils prennent des jets, ils ont des vacances dans des lieux d'exception. Est-ce que c'est pas ça aussi qui crée ce décalage et ce divorce entre ceux qui transforment le monde et ceux qui travaillent en fait durement avec des salaires assez modestes? Alors, c'est vrai que les riches ont toujours eu les moyens de circulation les plus rapides qui les emmenaient le plus loin. Donc déjà, ça créait une petite rupture. Le fait qu'aujourd'hui, effectivement, ils puissent avoir des circuits parallèles de circulation avec les avions privés, ça, effectivement, ça peut engendrer une forme de rupture. Mais ils ne sont pas tous pareils. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que certes, on a de plus en plus de riches, de plus en plus riches, mais qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui touche toute la planète. Et qu'on a des riches qui sont en Chine, c'est là qu'il y a le plus grand nombre de milliardaires, qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on a en France. C'est quoi, 2000 milliardaires en Chine ? Plus de 2000 milliardaires, hein, 2200 et quelques. Donc, on est dans ces chiffres-là. Nous, en France, on en a, je crois, 43. En Allemagne, on a 140 et quelques. En Italie, à peu près autant qu'en France. En Suisse, autant qu'en France, alors que le pays est beaucoup plus petit. Bon, enfin. Mais ce que j'essaye de dire par là, c'est que il y a effectivement une classe mondiale qui existe,
élitiste, mais qui est une classe très divisée, très différente, dans laquelle on a des gens qui s'impliquent de très près avec leurs employés, avec leurs travailleurs. On parlait de Bernard Arnault. Bernard Arnault est quelqu'un qui très régulièrement va visiter ses sites. On se moquait de ses enfants il y a quelques années parce qu'il les emmenait visiter les différentes boutiques de LVMH pour leur montrer ce que c'était que le travail et le savoir-faire. Donc il y a vraiment certains qui sont proches du terrain et d'autres qui, au contraire, essayent de s'en éloigner parce qu'ils ont une espèce d'inquiétude par rapport à la revendication sociale. On sera justement avec Antoine Arnault demain à 8h15. À votre place, sur ce même fauteuil. Bah, oui. Formidable entrepreneur, très humaniste. C'est une personnalité qui est effectivement très riche dans le paysage français. À quel moment on dissocie la richesse du pouvoir? Parce qu'il y a des riches qui sont riches, mais qui n'ont pas l'influence, la capacité de que les gens les suivent, les aiment. Vous prenez notamment assez longuement l'exemple des Kardashians qui produisent pas grand-chose, mais qui ont la richesse et le pouvoir. Et comment comment on gagne ce pouvoir? Ben, les Kardashians, c'est un modèle un peu particulier parce que ce sont des gens qui, comme des stars, réussissent à transformer de la notoriété, de la célébrité en richesse. Ce fameux, une industrie, ce la notoriété. Mais ce fameux travail d'influenceuse leur permet d'avoir des revenus publicitaires. Ensuite, elles créent des marques, elles s'associent à des marques de cosmétiques. Ça génère de nouveaux revenus. Mais là où Kylie Jenner a été très intéressante, et c'est pour ça que je me suis arrêté sur elle, sur le livre, c'est qu'à un moment donné, elle comprend que entrer dans les classements de riches va lui donner un statut particulier. C'est-à-dire avoir publié dans le magazine Forbes, qui est celui qui établit le plus grand classement des riches à l'échelle mondiale, avoir établi qu'elle est la plus jeune milliardaire, qu'elle est la plus grande fortune self-made, c'est-à-dire qu'elle s'est faite elle-même, ça va lui valoir des possibilités de monnayer encore plus sa marque personnelle. Et donc, c'est ce qu'elle fait, elle l'obtient, et elle l'obtient en trichant. C'est-à-dire qu'elle l'obtient en donnant des faux chiffres, des fausses consolidations au magazine Forbes, qui, bien qu'il ait été eu, va essayer d'argumenter en disant que la valorisation boursière a changé, etc. Mais en fait, elle a réussi son coup. C'est-à-dire qu'elle a réussi un super coup de pub. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant dans votre livre, c'est la valeur travail. Vous dites qu'il y a une sorte de hiatus qui est peut-être en train de se créer entre les milliardaires, les industriels qui sont très attachés à la valeur travail. Vous parliez de la famille Arnault, par exemple. Mmh. Et puis, les travailleurs qui, peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment payés, commencent à s'en détacher. On parle de la société de loisirs, la grande démission. Ça ne peut pas durer éternellement, là, ce divorce sur des valeurs fondamentales. Et exactement, avec, j'allais dire, un double fantasme de l'un sur l'autre. Pour beaucoup de gens, il y a l'idée que quand on est riche, on fait rien. Ouais. Quand on est riche, on travaille pas, qu'on passe son temps à aller dans des fêtes, à être invité partout. C'est pas vrai. La plupart des riches que j'ai rencontrés et avec qui j'ai discuté sont des gens qui travaillent de manière acharnée. Et ils travaillent tellement qu'ils finissent par avoir une vision de leurs employés comme des gens qui ne travaillent pas assez. Le cas typique, c'est Elon Musk. Vous avez vu, il a fait au printemps plusieurs déclarations et encore récemment en disant que les gens de son siège ne doivent pas avoir de télétravail à moins d'effectuer déjà un plein temps sur place. À 40 heures. Voilà. Si vous faites 40 heures, vous pourrez ensuite faire du télétravail. Exactement. mais le télétravail, c'est en plus. Et il dit en fait que pour lui, le modèle idéal, c'est l'ouvrier chinois qui travaille pratique toute la journée dans l'usine, qui mange dans l'usine et qui dort dans l'usine. C'est là où on n'est pas mécontent que l'État ait un peu plus de place. On n'est pas mécontent qu'il y ait des lois sociales aussi. Finalement, oui, bien sûr. Finir au MEDEF. Hein. Pourquoi? Je suis une avocat de personne. J'essaie de décrire comment ça fonctionne depuis un siècle et demi et comment un groupe d'hommes, parfois, et de femmes d'ailleurs, ont été parfois des entrepreneurs extraordinaires. Je dis de femmes parce que je pense à Liliane Bettencourt. Justement, vous voyez, on a beaucoup parlé de Liliane Bettencourt à la fin de sa vie, au moment où effectivement elle était très âgée, très fatiguée, etc. Travaillait plus. Voilà, mais cette femme a été un actionnaire extraordinaire pour son entreprise. Elle voyait tous les produits, elle a eu des stratégies actionnariales avec Nestlé pour se protéger justement de ce qu'elle voyait venir, c'est-à-dire les nationalisations. Donc elle a su toujours anticiper et nommer des super patrons comme Lindsay Owen-Jones qui ont permis de faire de son entreprise vraiment un des tout premiers mondiaux et de faire d'elle la première femme la plus riche du monde. Voilà, Histoire mondiale des riches de Fabrice d'Almeida à partir d'aujourd'hui en vente. Merci Fabrice d'avoir été avec nous ce matin.